Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Maman Boulette. Si vous voulez ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va préparer de bon ? On va préparer des pommes de terre libanaises. Pour ce faire, on a besoin de quoi ? 5 pommes de terre, un bol de coriandre, un petit peu d'ail, un citron, du paprika, quelques graines de cumin, de l'huile de tournesol et de l'huile d'olive. Nos pommes de terre sont épluchées et rincées. On va les couper en 2, en 3 ou 4. On allume la plaque. On met de l'huile. On va faire préfrire les pommes de terre. Il faut surtout pas que ça accroche. Bon, on a rajouté un petit peu d'huile. Hein. On avait l'option de les mettre au four. J'avais la flemme d'allumer le four. Bon, allez, on laisse frémir encore quelques minutes en surveillant. Au bout de 5 minutes, on rajoute la moitié du paprika. On remélange un petit peu et on va couvrir. On va mettre l'huile d'olive. On émince la coriandre. On le met dans le ramequin. Maintenant, on met l'ail, les graines de cumin, le reste de paprika. On poivre, on sale et on met le jus d'un demi-citron. Et on remélange. Qu'est-ce que ça sent bon là ? Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on va rajouter une partie de la marinade. On remélange et on recouvre. C'est parti pour un petit quart d'heure. Je crois que les pommes de terre sont prêtes. Aucune résistance. Bon, ben on va se servir ça avec le reste de la marinade. Notre assiette de pommes de terre est prête. Ça va être un régal. On va se régaler. Allez, bon appétit et à bientôt.